paysan, ancien porte-parole de la Confédération paysanne nationale. J'ai été aussi pendant longtemps, pendant près de 10 ans, au bureau européen de la Via Campesina. Et de la période de 2010 à fin 2015, j'ai été conseiller régional. Conseiller régional au niveau du groupe Europe Écologie, les Verts, dans un contexte particulier en Bretagne. Je conduisais la liste Europe Écologie aux élections régionales de décembre 2015. On a fait le même score qu'au niveau national, c'est-à-dire qu'on a, fait 6,7% des voix. Et c'est un peu plus de 80 000 votants comme en Bretagne. Et en Bretagne comme ailleurs, la démocratie n'est pas géniale, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80 000 électeurs qui n'ont plus de représentants au conseil régional. Voilà, moi j'ai fait le tour. Et bon, en dehors de ça, je suis donc le porte-parole des victimes des pesticides de Triskalia. Triskalia, c'est la plus grosse coopérative bretonne qui a un rayon d'action bien au-delà du territoire, puisqu'ils ont ils avaient des filiales en Espagne qu'ils ont revendues ailleurs en France. Et donc, sur deux grands sites, le premier c'est la fabrication d'aliments près de Guingamp, où il y a des gens qui ont été empoisonnés par des aliments médicamenteux, et une partie d'entre eux donc ont dû arrêter le travail. Il y a un combat pour la reconnaissance en tant que maladie professionnelle. Il y a même eu un suicide. Et donc les dossiers avancent, une partie sont devant encore les tribunaux. L'entreprise a été condamnée pour faute inexcusable. Et le deuxième site, qui est en Centre-Bretagne, c'est un dépôt de produits chimiques, de toutes les saloperies de pesticides. Donc il y a à la fois les dépôts des bidons qui sortent d'usine, et il y a aussi le retraitement, le stockage des bidons vides sur 11 salariés. 5 sont décédés de cancer, 5 autres sont atteints de maladies graves, principalement de cancer, et un 11e aujourd'hui résiste encore. Voilà. Donc c'est un combat qui date depuis quand même 5 ans maintenant, qui est très long. Et à côté, il y a une association qui s'est montée de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. Moi, je ne m'attendais pas à rencontrer une telle personnalité, un tel combattant dur pour l'humanité et pour les victimes des productions chimiques, des pesticides. Et en vous écoutant, je pense que on peut se joindre et ensemble, on peut aller d'avance et on se comprend très bien là, parce que mon combat, le combat des victimes de la dioxine et le vôtre est le même. Et c'était, moi je pense que c'était parce qu'on a oublié le drame de la dioxine que le drame des pesticides maintenant là, se développe et puis ravage non seulement les paysans de Bretagne, mais aussi presque le monde entier, surtout dans les pays les plus pauvres aussi. Mais ce n'est pas uniquement dans les pays pauvres, mais dans les pays développés aussi, parce que même dans les pays développés, on utilise toujours les pesticides et tous les produits chimiques pour l'agriculture, et ne sachant pas que ça crée quand même des problèmes pour la santé de l'homme. Alors, ce que vous m'avez expliqué sur votre combat, le combat des paysans bretons, des victimes, me renforce aussi et m'encourage à avancer pour mon procès qui arrive au stade le plus dur, je pense, parce que c'est maintenant que les plaidoiries commencent, et comme avec vous, ils ne vont pas me ménager pour me massacrer, pour vaincre cette victoire. Et je pense, ce combat, et je pense que si on reste ensemble, on reste unis,
ils ne pourront pas me briser, ni vous, ni moi, quoi. Et c'est pour ça aussi que je viens vers vous aussi expliquer un tout petit peu ce que c'est que ce combat, et pour demander aussi votre soutien, déjà votre soutien moral. La dangerosité des pesticides est reconnue aujourd'hui, oui, ici. Oui. On est en face d'une crise sanitaire qui est plus importante que le problème de l'amiante. Oui. Ce qui n'est pas plus dire. Oui. Il ne s'agit pas de mettre forcément de chiffres. Oui. Moi, ce que j'entends ici, hein, on parle de 2-3 millions de personnes qui, directement ou indirectement, sont concernées par ce phénomène des pesticides, à des niveaux totalement différents. Donc, on est devant quelque chose de majeur. On n'a pas de contestation sur la dangerosité. La question, c'est la question de la responsabilité, ce qui n'est pas la même chose. La dangerosité, il est reconnu. Et ce qui est le plus difficile, c'est que, à l'inverse de toi, qui a subi, c'est qu'ici, on dit souvent, on n'était pas obligé d'utiliser. À part les personnes qui sont dans l'exercice de leur travail comme les salariés de l'agroalimentaire ou des magasins de l'agroéquipement. Ça, c'est des choses effectivement qui sont différentes. Certaines maladies viennent d'être reconnues ici en France comme maladie professionnelle. C'est traité différemment selon les départements. Les départements, je veux dire. Je vois dans le Tarn-et-Garonne un ami qui, sans en avoir fait la demande, un ami viticulteur, la MSA l'a reconnu en maladie professionnelle et il reçoit un courrier avec une indemnité mensuelle. Parce que effectivement, son combat dans d'autres domaines depuis des dizaines d'années était tel qu'effectivement, il savait qu'il atteint le Parkinson. Ce qu'on retrouve régulièrement comme maladie issue des pesticides, c'est le cancer, le lymphome et le Parkinson. Donc c'est pas, il n'y a que ça. Ça fait partie effectivement de ce qui ressemble au panel le plus souvent. Et donc voilà un cas. Le même cas dans le département à côté, ça n'a pas traité de la même manière. Voilà. Donc ce qu'on souhaitait, c'est effectivement que la mesure où dans des départements aujourd'hui ouvrent la boîte de Pandore, il faut que ça se fasse partout. Donc il faut en parler. Comme tu le fais, tu en parles, c'est évident qu'il faut, effectivement que partout on en parle. La question de la bagarre juridique, il faut la porter. Il y a des choses qui sont gagnables, la preuve, la reconnaissance de maladie professionnelle ici. Il faut toujours être conscient que ce ne sont pas nous qui avons fait les lois. Et ce ne sont pas les salariés, il y a peu de victimes, il y a peu de catégories sociales exposées qui sont dans les parlementaires, dans nos pays, pas plus en France qu'ailleurs. Le travail qu'a fait Joël Labbé, ça te dit à Saint-Adrien, qui est sénateur et écologiste du Morbihan, est énorme. Il a pu faire avancer la question de l'interdiction, en quelque sorte, des pesticides dans au niveau des collectivités, au niveau des villes. Donc ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui avance à ce niveau-là, ça c'est clair. Donc le combat, il est, je crois, mené à différents niveaux. En politique, en direction des législateurs, bien sûr, en direction au niveau juridique, oui, j'ai bien dit. La petite lecture que j'en fais au niveau juridique, c'est qu'il faut le faire en étant conscient qu'il faut avoir une rigueur sur le portage des dossiers et le collectage d'informations, d'expertise qui est colossal. Il faut avoir une rigueur énorme à ce niveau-là, c'est clair. Voilà, on parle entre convaincus à ce niveau-là. Voilà, donc il y a des choses, mais tu l'as évoqué, je le partage totalement. Le rapport de force très large, c'est-à-dire que l'opinion, je veux dire, s'imprègne de ces dossiers. C'est comme ça qu'on avancera si on est capable demain de mobiliser sur des questions comme ça, je veux dire, plusieurs milliers de personnes, on avancera.
Il faut une mobilisation très large. Oui. Et ça faut, mais je dis bien, les combats, je vais lire attentivement avec je veux dire, beaucoup d'intérêt ce précieux livre qui va m'éclairer sur des choses. Bien sûr qu'il y a des éléments que je ne connais pas dans le détail. C'est pas aux États-Unis qu'on gagnera plus facilement les dossiers, pas plus qu'au Canada. Alors, on a bien vu même qu'au Canada, ce sont des victimes qui peuvent être condamnées. Donc voilà, il faut quand même qu'on soit conscient de ça. Voilà, donc c'est vrai que les technologies qu'on a en face de nous avancent vite. Et c'est tout le débat sur la question de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale aujourd'hui, c'est qu'on est capable de faire des choses abominables dans le cadre de la recherche appliquée d'un vide, et donc avec un vide juridique énorme, alors qu'on n'a pas le temps qu'on n'a pas donné les moyens à la recherche appliquée d'aller jusqu'au fond des choses. Voilà. Et ça, moi je suis conscient qu'il faut encourager, il faut que les gens effectivement puissent se parler partout sur ces questions-là. C'est un travail de longue haleine, on est conscient. Le travail, effectivement, de communication, il est énorme. Mais je vois aussi le travail énorme de nos associations, de nos petites associations qu'on a en place. Et donc, il appelle vite fait à la mobilisation citoyenne pour soulager le travail associatif. Oui, j'espère qu'en même temps avec votre combat, vous nous soutenez pour le combat contre l'agent orange. Bien sûr, c'est évident. C'est évident que là-dessus, oui. Je ne serais pas venu autrement, ça c'est clair. Moi, la seule chose qui m'a. J'ai échangé avec David là, à ce niveau-là, c'est nos associations, sont très fragiles. Et voilà, si on avait été ici 10 ou 20, on aurait été plus fort, c'est vrai. Ça n'empêche que, voilà, bien sûr, que ce combat, on ne peut que le soutenir. Et vous pouvez le soutenir et vous encourager. Bien. Tout va ? Oui, ça va. Est-ce que vous prenez un petit café ? Donc David Derrien, je suis ce qu'on appelle un activiste écolo qui sévit essentiellement dans le Nord Finistère et puis plus particulièrement à Plougassé-Daoulas. J'ai endossé il y a quelque temps le costume d'un personnage qui s'appelle Dédé Ladveillot. Voilà, donc j'ai mon actif quelques manifestations contre Monsanto, notamment celle de Carré. Puis certains dans la salle étaient présents, qui était un beau rassemblement sur Carré. Pas négligeable de souligner à Carré, bref. Et j'ai voulu continuer effectivement donc à discuter, à parler et à pouvoir diffuser ce qui pouvait se passer autour des pesticides, hein, parce que c'est vrai qu'au départ, si moi je suis un peu plus intéressé par les abeilles, on reste malgré tout et avant tout des êtres vivants, nous sommes aussi nous touchés par rapport aux effets des pesticides. Donc, Henri le disait à l'instant, André Pouli était venu chez vous, nous on l'avait accueilli sur Landerneau avec un peu moins de succès malheureusement puisque l'audience n'était pas au rendez-vous, mais c'est pas grave. Et donc là c'est là qu'il m'a parlé du cas de Nia. Et donc j'ai découvert à travers Internet certaines publications sur son site le procès qui était en cours contre des firmes agrochimiques. Bon, alors Henri me demande de la présenter, je suis sûr qu'elle va faire ça mieux que moi. Oui. Simplement, c'est que. D'ailleurs, c'est aussi l'objet de sa présence ce soir. Simplement, il y a un journal qui titrait sur Nia en disant que c'était une combattante. Moi, je préfère dire que c'est une battante. Et la différence, c'est elle qui va vous la démontrer. Voilà. Oui, alors juste. On a une heure de route, on va pas. Alors, je pense qu'en une heure, des questions, enfin, vous voyez, donc. Elle dort beaucoup, elle aime bien l'air de Bretagne apparemment. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier de vous être déplacé sous la pluie, dans le froid pour venir ici
et pour vous ennuyer de mon récit. Alors, si je vous ennuie, vous le dites tout de suite pour que j'arrête, pour que je change de sujet. Je voudrais aussi vous dire que c'est la première fois que je viens en Bretagne. Et ces 3 jours passés avec vous, c'est-à-dire avec vous les Bretons, m'ont touché jusqu'au plus profond de mon cœur parce que vous êtes tellement chaleureux. Vous m'accueillez simplement, mais avec beaucoup de sympathie, avec beaucoup de bons sentiments. Surtout qu'aujourd'hui aussi, j'étais à Saint-Franc pour faire la dédicace et puis maintenant je suis ici devant vous. Et j'espère que je ne vous ennuierai pas. Alors, peut-être que je vais vous raconter un peu de ma vie et pourquoi j'ai entamé finalement un dernier combat, si vous me permettez. Pour mieux me connaître le Vietnam, parce que j'ai toujours eu envie de faire connaître le Vietnam, surtout à nos amis français. Alors moi j'ai le nom de Dan. Au Vietnam, il y a des dynasties qui portent un nom, et moi je suis de la dynastie des Dan. Et mes prénoms c'est Tô Nga. Au Vietnam, les parents donnent un nom à leurs enfants tout le temps. Maintenant, c'est leur rêve qu'ils donnent à ses enfants. Alors, Tô Nga en vietnamien signifie peut-être une fille honnête, signifie aussi une belle dame, parce que là, les mots vietnamiens ont beaucoup de plusieurs significations à un mot. J'ai aujourd'hui presque 76 ans, dans un mois. Et j'ai le signe du cheval. Et à ma naissance, ma grand-mère disait que, pauvre enfant, non seulement tu es né à 5 heures du matin, l'heure du début d'une journée de travail, mais tu es né sous le signe d'un cheval. Donc c'est toi qui vas porter tout le fardeau du monde, tout le fardeau des gens. Et je ne sais pas si c'est de la superstition ou bien c'est prédestiné, mais c'est vrai que depuis, j'ai toujours porté un fardeau lourd ou moins lourd, mais toujours un fardeau. Et je pense que je vais encore porter, avec votre aide, le dernier fardeau avant d'aller rejoindre tous ceux qui m'ont laissé sur Terre. Vous savez que j'ai vécu aussi, j'étais née, je suis née avec le bruit de la guerre des armes, parce que c'était en 1942, donc on était aussi à l'époque de la guerre coloniale. Vous m'excusez de prendre ce mot, mais c'est comme ça maintenant qu'on parle de cette guerre. Et puis après, j'ai grandi aussi dans le vacarme de la guerre aussi. Et après, j'ai participé presque en direct à une autre guerre, la guerre contre les Américains. Alors, ma jeunesse, mon enfance tout d'abord s'est passée assez calmement parce que mon père, à ce moment-là, était officier dans l'armée française. Mais malheureusement, il est mort assez tôt. Je n'avais que 5 ans. Et ma mère, une veuve de 24 ans, elle a quand même dans ses bras 5 enfants. Et aussi, elle s'est engagée aussi dans la résistance. Et c'est pour ça qu'on était à Salek, dans une province du delta du Mekong. On lui a donné l'ordre d'aller s'installer à Saigon. Donc, de Salek, du delta du Mekong, nous avons été engagés.
Et avec nos grands-parents, nous commencions à vivre à Saint-Mont. Et ma mère s'occupait plutôt de ses activités résistantes. Alors nous étions dans... c'était mes grands-parents qui se sont occupés de nous. Et on était assez pauvres aussi. Mes grands-parents ont commencé tout d'abord par produire des glaces pour nous élever, pour nous nourrir. Et puis après, on a créé une pâtisserie, une grande pâtisserie qui était très connue de Saigon. Mais ce que je voulais dire, c'est que ma mère, ne pouvant pas s'occuper de nous, c'était nos grands-parents, nos grands-parents maternels, qui s'en étaient occupés. Et eux aussi, ils ont consacré toute leur vie pour aider leur fille à mener bien sa mission de patriote, d'une Vietnamienne, d'une femme. Et au Vietnam, on dit toujours que quand le pays est menacé, même la femme sort de leur foyer pour combattre l'ennemi. Je vous dis tout de suite ce proverbe-là parce que maintenant, les firmes américaines, dans leur conclusion, m'accusent d'être une combattante, c'est-à-dire une personne qui porte une arme, mais non pas une civile, une journaliste. Mais pour nous, pendant tous ces millénaires de guerre continue contre des invasions, alors tout le monde est combattant, que ce soit avec une bêche, une pioche, avec un stylo, avec une arme, on est tous. Mais comme chez vous, quoi, comme ici aussi, quand le pays est en danger, on se consacre pour le pays, pour l'indépendance, pour la liberté. L'histoire de nos deux pays se ressemble. Je passe. Et après la mort de mon père, comme il était officier dans l'armée française, alors j'ai eu droit à être élève du lycée Marie Curie qui appartenait au gouvernement français. C'était un lycée français. Et c'est pour ça que j'ai appris un peu le français. Et c'est grâce à ça aussi que je peux aujourd'hui vous ennuyer avec tout ça. Ma mère m'a confié une mission d'agent de liaison alors que je n'avais que 7 ans, 8 ans. Je ne savais pas l'importance de cette mission, mais j'étais quand même très fière. Et c'est pour ça que agent de liaison, c'est-à-dire que ma mère me confiait une lettre, rouler comme une petite cigarette, et je vais remettre à quelqu'un qui lit, et puis elle me chuchotait, ne dis rien, parce que si tu lis, si quelqu'un sait que tu fais ça, je serais jetée en prison. Je ne connaissais pas l'importance, mais quand même, ce qu'elle dit me rendait fière. Et puis mon père, qui était officier dans l'armée française, et décédé quand je n'avais que 4 ans. Ma mère veuve nous emmener déménager à Saigon parce qu'elle a reçu l'ordre de se déplacer et puis de servir la résistance en clandestinité à Saigon. Elle était devenue à partir de là plutôt une des dirigeantes des comités des femmes de Saigon. Et elle nous confiait à ses grands-parents, à ses parents qui étaient nos grands-parents. Et c'est une petite pâtisserie à Saigon qui nous aidait à grandir comme il faut. Et comme j'étais la fille d'un officier de l'armée française, alors j'ai le droit de fréquenter une école qui appartenait au gouvernement français, un lycée français. Et là, c'est pour ça que je parle un peu de français. Et je vous ai dit que j'ai quand même vécu mes premières années
d'enfance, malgré que je sois orpheline, que je n'avais pas souvent une autre mère, mais j'étais quand même très heureuse. En 1955, après l'accord de Genève, le pays était divisé en deux, avec le 17e parallèle. Je raconte tout ça parce que je sais que peut-être vous avez entendu parler de l'histoire du Vietnam, mais vivre une vie comme ça, peut-être vous êtes encore étrangère, donc je vous parle, je vous raconte tout ça, alors que le combat contre l'agent orange, j'en parlerai, mais c'est plus récent, c'est plus moderne. Et en 1955, ma mère pensait qu'elle était menacée par ses activités. Alors elle me dit, il y a une fille qui n'est pas, qui est trop susceptible, trop sentimentale. Une fille comme ça, une telle fille ne peut pas grandir sans sa mère, parce que les mamans vietnamiennes ont très peur pour leur fille et pour l'éducation de leur fille. Donc elle dit, mais si tu veux, tu peux partir à Hanoï, où il y a donc aussi ton père, mon beau-père. Et c'est comme ça que c'est le destin qui a fait mon chemin, quoi. Parce que j'étais à Marie Curie et un jour j'ai oublié mon travail de couture. J'ai peur et j'ai demandé à ma mère, bon, tu peux m'emmener acheter un billet d'avion et je pars à Hanoï. C'était comme ça. Sans rien réfléchir, j'ai pris une décision qui a changé toute ma vie, tout mon destin. Et deux jours après, c'était, bon, je disais comme ça sans penser que c'est réalisable. Et quand même, j'ai pris l'avion. Et c'est l'avion de la compagnie Kosara qui existait à ce moment-là. Et c'est comme ça que j'étais partie pour Haïfong. Et après, à Hanoï, qui est déjà libéré. La première vie, la plus heureuse vie, se termine et je commence une vie de presque orpheline, parce que je n'avais personne. J'étais toujours dans une école qu'on appelle l'école des enfants du Sud, parce qu'à ce moment-là, avec l'accord de Genève, il y a beaucoup d'anciens résistants qui partaient pour le Nord. Mais il y en a aussi qui restaient, ou bien parce qu'ils n'ont plus rien à faire, donc ils doivent refaire leur vie, revenir à la vie normale, ou bien ils restent pour servir le pays, le peuple, mais là, ils ont reçu l'ordre de ne rien faire. Mais comme ils ne pouvaient pas partir, alors ils envoient leurs enfants. C'est pour ça que moi, je suis partie des enfants du Sud, et nous étions très, très appelés par le peuple du Sud, du Nord, qui manquait de tout, et même libérés, mais qui devaient s'occuper aussi du Sud, du Laos, du Cambodge. Donc on disait toujours que le grain de riz du Nord est partagé en quatre, pour le Nord, pour le Sud, pour le Laos, pour le Cambodge. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas assez de riz pour manger. Et des fois on doit manger des boules de farine de blé parce qu'on ne savait pas encore faire le pain. Moi, je me souviens que nous n'avions droit que 100 grammes de sucre par mois et 2 costumes par an. Et ça, il faut encore choisir celles qui n'ont pas assez de pantalons, qui n'ont pas encore 2 pantalons comme il faut pour que... qu'on nous donne 2 mètres de tissu pour en faire. Mais on a grandi et puis je pense que
J'avais quand même la chance de vivre une belle période où on nous élevait, on nous éduquait dans la chaleur humaine. Et aussi, on nous donnait pas de moyens, pas de riz, pas de vêtements, mais moralement, on était bien. Donc, j'ai toujours une reconnaissance à la population nordiste qui nous protégeait, qui s'occupait de nous, qui nous élevait. Et eux, la population du Nord, je retiens toujours une image. On était dans chez les villageois et les enfants de nos hôtes n'avaient pas de quoi manger. Ont très faim, mais ils n'osaient jamais prendre notre riz, même si nous leur supplions, mais les parents ne veulent pas. Donc, ce sacrifice-là, il faut comprendre aussi la population du Nord, parce qu'après la libération, il y a des différences entre le Nord et le Sud, et on disait toujours que les gens du Nord viennent dans le Sud pour prendre tout ce qu'on a, etc. Mais si on comprend que avec tous ces éléments, tout ce qu'ils ont sacrifié, même sacrifié leurs enfants, tout ça, on arrive quand même à comprendre pourquoi ils sont assez avides pour le matériel. Voilà. J'ai grandi pendant 10 ans dans le Nord, à Hanoï aussi, et c'est pendant cette période que, avec les études, j'ai appris aussi à faire tous les travaux manuels, j'ai participé aussi aux récoltes. Et quand il y a un orage, une tempête, on va aussi secourir les paysans en les aidant à récolter le riz, par exemple, ou bien à faire des vivres. Alors c'est pour ça que depuis très, très jeune, j'étais quand même... j'ai appris à bien endurer la fatigue, les travaux, et après aussi, dans le maquis, j'ai appris aussi à faire beaucoup de choses. Alors c'est pour ça que même maintenant, là, on me demande toujours, mais comment cela se fait que tu es une victime de l'argent orange avec plein de maladies alors que tu n'as pas l'air du tout d'être une malade. Et c'est vrai, docteur, que j'ai pas l'air d'être malade. Mais c'est autre chose. Donc, pendant 10 ans, j'ai vécu, comme on dit, le jour dans le Nord, la nuit dans le Sud, parce que la nuit, on ne dormit pas, parce qu'on pense à nos parents, à notre village natal, parce que pendant ces 10 années, le gouvernement du Sud Vietnam traîner la guillotine. Je retiens. Et puis, ils ont massacré beaucoup d'anciens résistants. Ma mère était jetée en prison, torturée cruellement parce qu'on pensait qu'elle était toujours à la tête des manifestations. Et finalement, on l'a envoyée au bagne pour le combat. Et si vous avez entendu parler des cages au pigre, c'était très dur parce que des cages. Et quand j'ai revu ma mère, elle m'a dit que je ne veux plus parler de cette époque-là parce qu'on ne la considérait même pas, on l'a considérée comme on n'est plus humain dans les mains de ces pensionnaires. Et vous savez que dans la cage au pigre, c'était très étroit, très très chaud. On avait 3 petits, vous savez, la boîte de lait concentré. On a une seule boîte comme ça d'eau pour toute la journée, pour tout. Hein. Et finalement, toutes les prisonnières sont obligées d'enlever tous ses vêtements. Et puis, il y a plein de gales,
et les geôliers marchaient au-dessus, ils jetaient comme ça le riz, et donc ramassaient des trains de riz, pourris déjà. Et il y a à côté, c'est la couvelle, pas la couvelle, c'est la boîte pour les excréments. Alors, c'était dans cette situation que ma mère a passé 6 ans. Et après, avec les manifestations de la population, ma mère a été libérée avec d'autres personnalités qui étaient devenues tous des membres du Front National de la Libération. Donc pendant ces 10 années, mon cœur s'était partagé en 2, 3, 4, et on vivait toujours dans l'angoisse, dans l'anxiété, surtout que ma mère, de temps en temps, on avait de très mauvaises nouvelles, informations. Mais quand j'ai pu recevoir une lettre de ma mère, les cellules, elle dit toujours que bien, il faut bien apprendre, il faut devenir une grande fille, une fille sage pour servir le pays. Et là, je vous dis que c'est aussi grâce à ces mots, à ces recommandations que je ne me suis pas égarée dans mon chemin, quand je prends une décision. Quand j'ai terminé les études universitaires, le jour même où le recteur me donnait mon diplôme, alors le soir, je prends mon sac à dos et je vais dans le centre pour pratiquer les exercices, pour me préparer à la marche, pour prendre la piste pour chemin et rejoindre le marquis. Donc, à 22 ans, c'est-à-dire 12 ans, j'ai quitté mes grands-parents. Pendant 10 ans, j'ai vécu dans le Nord, j'ai fait plein d'exercices, j'étais bien éduquée, bien élevée, et puis j'avais quand même acquis de belles connaissances. J'étais formée chimiste sans retenir sans retenir quelque chose de la chimie, sauf la formule du benzène. Ben c'est tout. Parce que après ça, j'ai fait beaucoup de travail, de choses, mais sans faire la chimie, jusqu'à présent. Alors, j'ai demandé qu'on m'envoie dans le sud, alors que dans le Nord, à Hanoï, on a déjà reçu la nouvelle que ma mère était élue en tant que membre du comité central du Front National et la présidente du comité des femmes de la Libération. Alors j'ai le droit de poursuivre mes études à l'étranger. Mais j'ai pris la décision de retourner au village dans le sud pour consacrer et ma jeunesse et ma vie pour l'indépendance du pays. Si on me demande si je vais pour mon idéal communiste, je dirais sincèrement que non. Je ne pensais pas au communisme, mais je pensais, c'est vrai que ma cause, la cause pour ma décision, c'était plutôt l'indépendance, le bonheur du peuple. Et c'est pour ça que j'ai fait un serment de consacrer toute ma vie au bonheur du peuple. Et c'est plutôt ça que l'idéalisme, que le communisme, que le socialisme, parce que je comprends bien de ça. Et surtout qu'on me considérait toujours comme une petite bourgeoise. La petite bourgeoisie est considérée comme quelque chose de pas très mauvaise, de nul vis-à-vis de la révolution, le capitalisme, la petite bourgeoisie.
c'est très très mal vu. Et moi, je suis toujours considérée comme une petite bourgeoise, bien que je n'ai rien. Je n'ai rien, parce que j'ai toujours vécu avec les deux costumes par an et 13 kilos de riz pour vivre. Quoi. Donc, je n'ai pas de bien, mais je suis toujours classée petite bourgeoise. J'espère que maintenant, on ne me considère plus comme petite bourgeoise. Mais avant, c'était comme ça. C'était très dur, même entre camarades. Et début 66, j'ai pris la marche avec une centaine de camarades dans un groupe d'enseignants. On était envoyés plutôt pour enseigner les élèves dans les zones libérées et pour créer aussi des universités, des laboratoires. Nous n'avions que 20 ans, 22 ans, on était très jeunes. On marchait du matin jusqu'au soir, des fois. On marchait comme j'étais aussi jeune. Je restais toujours un peu romantique. Et là, il y a des fois où, quand on prenait notre sac à dos, le soleil est encore haut, le soleil se baisse, le soleil se couche, la lune arrive, la lune monte, la lune nous quitte, et le soleil se lève, on est toujours en marche. Et il y a aussi des jours où nous grimpons, mais c'était toujours par mot et par mot. Et en vietnamien, on dit aussi que la montagne est tellement haute que le cou est tordu si tu regardes en haut. Et quand on dit que, en vietnamien, c'est nui kap tak ok, c'est-à-dire on regarde et puis le cou est tordu comme ça. On ne comprenait pas. Mais là, quand on grimpait des montagnes, c'est vrai que la montagne est comme ça. Donc, si on regarde, on ne peut regarder pas le sommet, mais on regarde seulement le derrière de celui qui est devant nous. Et c'est comme ça qu'on grimpait le jour, la nuit, le jour, la nuit. Bien sûr, monter, c'est plus difficile que descendre. Mais on marchait avec toujours avec un bâton. Et des fois aussi, il y a des jours où on traversait des ruisseaux, mais pendant 2 ou 3 jours. Et comme on est toujours guetté et par les avions et par les espions, donc il y a des jours où on ne pouvait pas faire la cure de le riz. Et il faut quand même penser à avoir de quoi manger pendant 3 jours, par exemple. Alors on a eu la bonne idée de faire des pains de riz, de faire griller. Mais vous savez bien qu'après 2 ou 3 jours, c'est retourné. Et quand on traversait le ruisseau, ce morceau de riz qui est plus précieux que nous-mêmes. On peut tomber, mais il ne faut pas faire mouiller ce riz là, parce que sinon on aurait faim. Voilà. Mais hier j'ai rencontré. Il y a aussi pour nous quelque chose de rigolo, parce que vous savez que quand on marche comme ça, on est très fatigué et on est très impatient d'arriver à destination. Et vous savez, avec quel signe on sait qu'on approche de la destination, à l'odeur. Alors même l'odeur de la vie humaine nous rend très contents, très heureux, parce qu'on sait qu'on est arrivé à destination. Alors, pour ne pas dire des mots qui ne sont pas beaux, on dit « Ah, est-ce que tu sens ce qui est à l'intérieur de notre corps ?» Bon, l'intérieur de notre corps, c'est ça. Et ça nous donne quand même un grand plaisir, parce que là, on peut se reposer. Et pendant la marche, parce qu'on était toujours guettés, sur notre tête, il y avait toujours des avions américains qui nous guettaient, qui nous survolaient.
Donc, pour faire le riz, pour faire la cuisine, il ne faut jamais laisser un brin de fumée monter, parce que si, surtout quand il pleut et la fumée monte comme ça, ça reste très longtemps en haut et puis on serait repéré par les avions. Et moi qui étais très très maladroite, je ne pouvais jamais faire un feu sans fumée. Jamais. Alors, il y a des personnes un peu âgées ou bien un peu peureuses, et me guettaient comme des avions qui nous guettaient, quoi. Alors, chaque fois que je mets une brindille comme ça, alors, mais dans toute la forêt, mon prénom résonne, « Nya, fumée, nya, avion !» Et c'est comme ça que mes amis de route, parce qu'on se forme, on formait des groupes de 3, de 4, alors les autres me disent, « Ah, pardon, tu vas te baigner et puis te reposes, moi, laisse-nous nous occuper. » C'est pour ça que j'ai un grand regret, parce que jusqu'à présent, à cet âge, je fais très maladroitement le un feu. Voilà. Il faut dire que ces 4 mois de marche, de fatigue, de danger, parce qu'on est toujours guetté par les dangers, ces 4 mois nous ont réunis et on est devenus pas des frères et des sœurs de sang, mais des frères et des sœurs de cœur qu'on n'était jamais, parce que c'était quand même eux et nous qui ont partagé et la vie et la mort et la fatigue et tout, quoi. C'est pourquoi jusqu'à présent, chaque année, on se réunit pour se raconter encore des choses qui sont devenues de l'humour, quoi, et des belles choses, de beaux souvenirs de la vie passée. Après 4 mois de marche comme ça, on est arrivé dans le Maquis, le quartier général du Front National de la Libération. Mais quand on était parti, c'était pour aller enseigner, pour aller créer des écoles, des universités, parce qu'à ce moment-là, il y avait beaucoup de zones libérées. Mais à partir de 1965, l'armée américaine participait en direct à la guerre, ce qu'on appelle la guerre spéciale. Alors, donc il n'y a plus de zones libérées, on n'a plus d'élèves pour enseigner, et moi qui n'étais pas formée pour être enseignante en plus, parce que j'étais formée chimiste, alors on m'a envoyée travailler à l'agence de presse de la Libération. Mais comme je n'étais pas aussi formée pour être journaliste, alors on me demandait de travailler comme archiviste. Mais le travail que je fais, c'était plutôt de porter le riz, faire des maisons, faire des puits. C'est-à-dire que tout sauf ce qui peut servir la tête. Tout d'abord, j'étais ennuyée, j'avais du chagrin parce que me former pendant des années pour devenir une intellectuelle, puis maintenant je fais rien. Mais après, mais comme j'ai déjà promis avant de partir que je ferai tout ce que la résistance me demande de faire, donc je le fais. Et c'est peut-être grâce à ça qu'aujourd'hui aussi, j'ai quand même je peux supporter beaucoup de fatigue, beaucoup de travail, et je peux endurer aussi toutes les difficultés de la vie sans me plaindre et sans me pencher. Il y a du mal, il y a aussi du bien. Puis après, ma mère, moi je voulais rejoindre ma mère, mais elle était encore destinée à Saigon.
Et puis deux ou trois mois après, on m'a permis quand même de faire encore un autre trajet de 15 jours de marche pour aller rejoindre ma mère dans un maquis qui était près de Saigon. Il y a une anecdote. Comme je n'étais pas habituée à la guerre, et puis quand je reprenais mon ballon, mon sac à dos, pour faire cette marche-là, et on m'a dit que, garde, fais attention, quand tu vois un avion te survoler comme ça, et puis tu entends un bruit qui fait gao, gao, c'est-à-dire un départ d'une bombe, et puis après tu entends le boum, c'est-à-dire explosion. Alors là, il faut te sauver vite parce que tu es bombardé. Et puis un jour, j'ai arrivé à une plantation d'EVA et le responsable de Sud-Vietnam a interdit les ouvriers de travailler pendant 3 jours. Mais moi, comme j'étais impatiente de rejoindre ma mère, je dis, j'y vais tout de même. Et les responsables de l'agence de liaison, ne voulant pas me faire de la peine, parce que je suis quand même la fille de Papa Lam, c'est-à-dire de ma mère, qui est très aimée d'eux, alors ils envoyaient un tout petit agent de liaison sur bicyclette pour me porter et franchir la plantation des VA. Et puis, je ne connais rien, mais ces gamins-là, tout petits, ils sont tellement expérimentés par la guerre que voilà, ils entendaient de loin le bruit d'un avion éclaireur qu'on appelle la vieille, parce que ça, cet avion là, vole très lentement, et puis donc, après, comme une vieille, quoi. Alors, il dit, grande sœur, tu descends, on est encerclé, tu descends tout de suite. Et puis moi, je connaissais même pas ce mot encerclé. Et puis, donc, je suis descendue, et puis il m'a laissé là, et puis il s'est sauvé tout seul, les deux. Alors, moi, j'ai resté auprès d'une plante, un caoutchouc, et là, tout d'un coup, il y a un bruit sourd, et une boule de fumée qui montait tout près de moi comme ça. Alors je restais là naïvement à attendre le bruit d'Ao, mais ça ne venait pas. Et heureusement que finalement je dis, peut-être que c'est ça le signal pour qu'ils m'ont déjà découvert. Alors j'étais partie, et heureusement que dès que j'étais partie, j'ai couru, et puis... une minute après, deux avions étaient venus bombarder toute cette région, cette zone-là. Et on croyait que ça y est, j'étais tuée. Mais non, j'étais là. J'étais encore vivante. Je vais vous raconter la rencontre après 10 ans de séparation. Ma mère n'avait que peut-être 40 ans. Et je la voyais comme déjà une très vieille femme. Et là, j'étais arrivée, je la voyais, elle restait là sans bouger, moi je suis restée ici sans bouger, on se regardait, et puis finalement je suis venue, je suis embrassée, je la prenais dans mes bras, et c'est comme ça que mère et fille se rencontrent, se revoient. J'ai passé un mois très heureux avec ma mère, et c'est pendant ce mois-là, comme m'a enseigné beaucoup de choses de journalisme, parce que moi j'ai lui raconté mon chagrin, il m'a dit papa a avoir de la peine parce que tu as promis de faire ce que la révolution te demande, mais il ne faut pas rester comme ça, et donc apprends, tu pratiques le journalisme, je vais te confier les choses à écrire, et puis comme ça tu écris des articles, tu t'exerces. Et tu deviendras, j'espère, une bonne journaliste, quoi. Après, on voulait m'envoyer
en clandestinité à Saigon, mais c'est le quartier général qui me réclamait, et ma mère n'osait pas refuser. Je l'ai quitté et 10 jours après, c'était la grande campagne des alliés américano-canadiens de l'armée. Et 10 jours après, elle était portée disparue. Plus de 30 ans après, après des recherches désespérées, j'ai eu recours à un médium et j'ai retrouvé les ossements de ma mère dans un coin assez loin de Saigon. Alors que je pensais qu'elle était. Alors qu'on faisait parcourir la rumeur que ma mère était déjà rejointe les Américains, parce qu'on voulait aussi prendre son poste de présidente. Et ma mère m'a portée disparue. On a fait des recherches partout dans toutes les prisons. On ne l'avait bien sûr pas retrouvée finalement. On a retrouvé ses ossements là dans un coin. Elle était ensevelie, vivante, ligotée, jambes, bras et jambes. Et la tête était à 20 cm seulement du sol, de la surface de la terre. Donc c'est seulement presque 40 ans après la disparition de ma mère, que nous pouvons faire un deuil. Et vous savez que pour nous tous, faire le deuil de disparu est quand même très important. Finalement, on a pu faire ça. Et alors que ma grand-mère, qui depuis toujours suivait sa fille, ses petites filles et son arrière-petite fille dans la prison, alors ma grand-mère était toujours silencieusement comme mon grand-père, était toujours comment dirais-je, toujours avec la résistance. Alors tous les deux sont morts sans même savoir où repose leur fille unique. Leur fille à qui ils ont consacré toute leur vie, et pour la patrie, mais plutôt à travers sa fille, quoi, à travers leur fille. Alors, après la disparition de... après ma mère, c'était ma petite sœur qui était en prison, était aussi au Boulot Condor, et à sa sortie du Boulot Condor, c'était moi qui l'ai remplacée. Et j'ai mis au monde ma troisième fille en prison. Et nous étions sortis le jour de la libération. Donc le 30 avril 1975. Pour certains, c'est le jour de la libération, le bonheur. Pour certains, c'est la perte du régime, du pays. Pour certains, c'est le deuil. Pour presque tout le monde, c'est la réunification. Mais pour moi et ma fille, c'était la vraie libération. Et je vais vous dire une chose. Ma mère, quand elle était encore vivante, chaque fois qu'elle me parle des liens, quand la paix revient, on va faire ça. Quand elle va faire, toujours dans sa bouche, c'était quand la paix revient, on va faire ça. Mon rêve, c'est de le faire comme ça. Et mon père, la paix est revenue, elle ne revient pas. Après, plus de 30 ans après, j'ai découvert ses ossements ensevelis dans un fossé, j'ai découvert ses ossements non grâce aux recherches des autorités, mais grâce aux informations d'un médium. Et ma mère était enterrée assise. J'ai retrouvé aussi des cordes qui servaient à la ligoter. Et le crâne était seulement à 20 cm de la surface
de la terre, du sol. Voilà. Et ce que je retiens de ma mère, c'est que pendant tout le temps, elle dit, quand la paix revienne, on va faire ça et ça et ça. Quand la paix revient, mon rêve, c'est de, d'être ensemble, etc. Quand la paix revient, je vais travailler et puis je vais m'occuper de mes parents que j'ai délaissés depuis trop longtemps, qui s'est sacrifié. Donc c'est toujours le rêve pour la paix. Et je vous dis sincèrement que des fois on dit que nous sommes des guerriers qui n'aiment que battre, que se battre. Non, face à la mort. Personne ne peut aimer la guerre. Face à la mort, c'est à la vie, c'est au bonheur qu'on rêve. Et je vous dis tout de suite, pourquoi même maintenant, là, je vis, je travaille, je fais tout ce que je fais, toujours en présence de ma mère, toujours en présence de mes amis qui ont perdu aussi leur vie pendant le combat, pendant la jeunesse. Je pense toujours, et ils sont toujours là, près de moi, pour me dire que voilà, il y a des rêves pas encore réalisés. Il y a des choses qu'ils ne peuvent pas vivre. Moi qui ai la chance de vivre la paix, même si la paix maintenant là, nous est amère, même si la paix d'aujourd'hui n'est pas comme ce qu'on rêve, mais au moins j'ai la chance de vivre alors que eux, alors que ma mère ne revient jamais. Voilà. Alors, après, j'étais retournée et c'est comme ça que j'apprenais mon travail de journaliste. Et je suivais les armées, je suivais l'armée au front. Et c'était comme ça aussi que j'ai été empoisonnée par... j'ai reçu une fois un épandage en direct, le défoliant m'a enveloppé comme ça, mais après on oublie très vite parce qu'il y a tellement d'accidents dans la vie de guerre. J'ai mis au monde ma fille aînée qui avait une malformation cardiaque, qui ne pouvait vivre que 11 mois. Et vous êtes mère, vous êtes grand-mère, vous pouvez vous imaginer, jamais encore je n'ai pu serrer ma fille dans mes bras parce qu'elle ne pouvait pas respirer. Elle avait 4 défauts dans son cœur et finalement elle m'a quittée. Quoi. J'ai mis au monde une autre fille. Maintenant on se demande mais pourquoi pendant la guerre on accouche toujours, on met au monde des enfants. Mais c'était la vie, quoi. Et la vie qu'on continue comme ça. Mais ma deuxième fille, je l'ai mise au monde aussi dans le maquis, alors que j'étais très faible. Je ne savais pas que j'étais déjà empoisonnée par la dioxine. J'ai des problèmes de cœur, j'ai des problèmes de poumons. Et on pensait que de nous deux, une seule survivra. Donc on m'a amenée très loin, à 60 km de mon quartier pour accoucher. Et après 4 jours seulement, alors avec ma fille dans mes bras, j'ai marché pendant 60 km pour rejoindre mon poste de travail. Et après, mon beau-père pensait que c'était trop dur pour moi de garder ma fille. Donc, je l'ai envoyée à Saigon pour parler. Et puis, à sa grand-mère paternelle. Et après, je l'ai envoyée aussi en temps de destinité à Saigon. Donc, je revenais dans ma ville, Saigon, après plus de 10 ans de séparation. Et je commençais à réapprendre une vie de citadine pour remplir ma mission
d'agent de liaison comme ça, et de ma vie. Moi, je pense que mon destin est fait que je suis toujours un trait d'union. Même maintenant, là, je suis aussi là, le trait d'union entre vous et les autres victimes, entre vous et une autre vie que vous aimez beaucoup et que vous vous souvenez. Alors, et puis finalement, j'ai fait aussi des va-et-vient et j'étais enceinte de 4 mois alors qu'on vient me capturer et puis je me jetais en prison. Parce qu'il y a des traîtres qui disaient que si vous avez dans vos mains rien, vous aurez tous les secrets de la résistance concernant les intellectuels et concernant les hauts cadres du gouvernement du sud. Enfin, c'est pour ça qu'on tenait à m'avoir et on tenait aussi à avoir les informations. Mais avant d'être envoyée à Saigon, je me suis déjà préparée parce que souvent, quand on fait ces activités clandestines à Saigon, au cœur des ennemis, comme on dit là, alors on doit se préparer pour être capturé. Et c'est comme ça qu'on doit se préparer pour garder aussi son courage et garder aussi ses secrets, les secrets qu'on détient. J'ai demandé à ma soeur qui venait de sortir du bagne pour le condor parce que dans ma famille, on se relayait pour être en prison. Alors je dis, mais est-ce que c'est vrai que quand tu es capturé, tu ne dois rien dire? Dis non, il ne faut pas, parce que si tu ne dis rien, il continue de te torturer jusqu'au moment où tu ne peux plus résister. Et à ce moment-là, tu craches tout ce que tu as dans ta tête, quoi. Donc il faut garder son calme. Il faut garder son calme. Il faut quand même que tu réfléchisses et que tu inventes une histoire vraie. Et tu effaces tout ce qui est dans ta tête. Et c'est comme ça seulement que tu arriverais à garder ton secret et rester fidèle grâce à ces conseils que je me suis préparé comme ça. Alors le soir, un général est venu et me dit de toute façon on va vous tuer. Alors c'est le temps de dire ce que vous voulez, ce que vous savez, on va sinon on ne garantit pas que vous arriverez à sortir indemne. Je ne dis rien, mais cette nuit-là, on a bandé les yeux, on m'a ligoté avec même mon foulard, et on m'a suspendu, et pendant toute la nuit, on m'a torturé. Mais heureusement que, comme j'étais enceinte, ils sont quand même superstitieux, donc ils évitaient cet endroit-là. Donc ils me frappaient beaucoup sur la tête, surtout, mais pas sur le ventre. Et les séquelles, c'est que maintenant, j'ai des maux de tête qu'on n'arrive pas à expliquer la raison, la cause. Et des fois, les médecins me donnaient du Laroxil qui me donne envie de me suicider, du tramadol qui me fait vomir. Donc j'ai tout arrêté et je supporte des maux de tête. N'empêche que je suis très vivante devant vous. Ne vous inquiétez pas, je supporte encore pendant quelques années. Vous ne vous ennuyez pas? Non, je continue. Alors, après, j'ai passé j'ai fait aussi la grève de la faim pour qu'on me laisse en paix, pour que j'aie un peu de temps pour inventer une autre histoire. Et comme l'a conseillé ma soeur, et c'est comme ça que
J'ai arrêté de manger pendant 12 jours. Et après, quand je sentais que je suis déjà prête, et mes geôliers, les surveillants, chaque jour, ils venaient pour me supplier d'arrêter la trêve. Et quand j'ai vu que je suis prête, donc j'ai arrêté la trêve. Et je savais aussi que quand on arrêtait de manger pendant plusieurs jours, alors pour recommencer, il faut manger quelque chose de liquide. Oh, mais j'ai fait comme ça et puis j'ai survécu. Et ma fille aussi a survécu dans mon ventre. Et je l'ai accouchée juste le 24 décembre. 74. Et elle est restée avec moi en prison. Elle est restée avec moi en prison jusqu'à le jour de la libération. Pour que vous ayez quand même une jolie histoire, je vais vous raconter comment j'ai accouché de ma fille. Parce que c'était le soir de Noël, que toutes les sages-femmes, les infirmières, parce qu'on m'emmenait quand même à l'hôpital. Et quand j'ai dit que peut-être je vais accoucher, il n'y avait plus personne. Alors que j'ai deux surveillants, et on m'emmenait. Je devais descendre trois étages pour aller à la salle d'opération. Et quand j'étais arrivée, les surveillantes, non, les infirmières me demandaient « T'es qui là? T'es une voleuse ?» Je dis « Non. Tu es un dealer ?» Je dis « Non, je suis prisonnière politique. » Les infirmières ont changé tout de suite d'attitude. « Venez, venez madame, venez. » Et puis comme elle me voyait très pâle, parce que je faisais aussi des crises cardiaques, et je ne pouvais plus respirer, et on disait « Non, elle est trop faible, il faut préparer le forceps, il faut préparer la salle d'opération, et puis il faut lui piquer pour qu'elle puisse accoucher rapidement. » Et tout le monde s'éparpillait comme des papillons et me laissait toute seule. Alors que moi, je sentais que l'enfant arrive. Alors, je me relevais, accroupie, et j'ai vu un homme en blouse blanche passer. Je fais signe, et il a couru, et la fille est sortie. J'ai très peur pour elle, parce que mes autres enfants ne sont pas en bonne santé. Mais là, elle est sortie, et quand les sages-femmes revenaient, ça y est, c'est fait, et j'ai fait une hémorragie terrible. Mais elle ne s'occupait pas de mon enfant, elle ne s'occupait même pas de moi, mais elle m'asseyait des questions, et en tant que résistante, je profitais pour leur montrer l'atrocité de la prison. C'est que l'atrocité des tortures, pour leur faire comprendre qu'on ne m'épargnait pas du tout, et ce n'était pas de la joie d'être prisonnière, même prisonnière politique. Et finalement, elle dit, mais madame, vous faites une hémorragie, qu'on n'arrive pas à arrêter, donc il faut rester quand même. Mais maintenant, si on vous laisse monter dans votre cellule, vous n'aurez pas de quoi manger. Elles ont été tellement gentilles qu'elles m'ont dit que c'est Noël, nous on va se promener, donc manger notre repas, et puis comme je ne pouvais pas me relever, c'était elle qui me donnait à manger, et les deux côtés de brancard, elle me donnait une cuillère, un verre. Maintenant, on en a plein, mais à ce moment-là, une cuillère est précieuse, un verre est précieux. Et il me donne aussi une pomme, etc. Et pour cacher, pour que les surveillants ne voyaient pas, parce que sinon, ils me le confisquaient.
Voilà comment s'est passé mon troisième accouchement. Ma fille que j'ai appelée, je fais comme mes parents, quoi. J'ai donné des beaux noms à mes enfants. Donc ma fille, la troisième, elle s'appelle Vietlien, c'est-à-dire la fleur de lotus du Vietnam. L'autre, la deuxième, c'est Vietnam, c'est la rose du Vietnam. Et l'aînée qui m'a quittée, elle s'appelait Vietnam, c'est-à-dire la mère du Vietnam. Vietlien, maintenant, aujourd'hui, est styliste. Elle est aux États-Unis avec sa fille, elle reviendra dans quelques mois. Et l'autre, la rose, qui est plus atteinte de la leucémie que Vietlien. Elle vit en Australie avec ses deux enfants, avec sa famille. Mais elle aussi, elle est atteinte de la leucémie. Elle a hérité de moi l'alpha-thalassémie. Je pense que parmi vous, il y a des médecins. Donc, moi, j'ai l'alpha-thalassémie. Elle et ses enfants ont aussi l'alpha-thalassémie. Et on vient de découvrir qu'elle est malformation, née malformée de la colonne vertébrale. Et la troisième fille, Vietlien, elle est née aussi avec une malformation. La malformation du cœur, c'est terrible pour une mère, mais c'est peut-être l'épreuve encore pour le procès. Pour le moment, il ne m'épargne pas du tout. C'est très dur actuellement. Et c'est comme ça qu'en 2009, on a commencé à se préparer. Moi, je rassemble des témoignages. Et c'était à ce moment-là, seulement en 2011, que j'ai envoyé, on a accepté de faire des analyses du sang pour détecter la leucémie. Alors, c'est pour ça que. Et plus de deux mois après, on nous a envoyé les résultats. J'étais tellement émue que les larmes coulaient parce que j'étais tellement contente de voir ces résultats. Parce que moi, je ne connais rien, je ne comprenais rien, mais j'ai vu quand même tous les chiffres en gras, donc il y a des anomalies. Alors, je suis très contente. Et on me demande pourquoi tu es contente que, quand tu sais que, alors que tu sais que tu es atteinte, que tu es victime de l'homicide, mais qu'il y a ces résultats ou non. Je suis toujours malade, quoi. Et s'il y a ces résultats, on peut commencer notre combat. Et c'était seulement en 2013-2014, sous le gouvernement de François Hollande, que la loi est revenue et qui donne droit aux avocats français de défendre leurs citoyens. Donc c'était seulement en 2014 qu'on pouvait commencer. Et nos avocats, le maître William Bourdon et ses deux collègues travaillaient sans honoraire depuis 7 ans. Et puis, au dernier délai, le 14 mai 2015, on a envoyé l'assignation à 26 firmes. Et notre gros problème, c'est que même si les avocats ne prennent pas les honoraires, mais la traduction coûte très très cher. On aurait besoin de 36 000 euros pour la traduction de l'assignation et on n'avait pas un sou. Alors c'était à ce moment-là qu'on a projeté le film, l'agent orange, une bombe à retardement. Il y avait un débat après. Et c'était comme ça qu'on est mis au courant de ce procès. Et une semaine après, on nous a donné 16 000 euros. Ça m'a frappé au cœur encore une fois parce que là, j'ai réalisé que voilà, je ne suis pas seule. Je ne suis pas seule. Et je suis de plus en plus entourée des amis. Je suis de plus en plus soutenue. Et jusqu'à présent, alors presque dans toute la France, on m'appelle pour venir. On parlait comme aujourd'hui et pendant ces quelques jours passés en Bretagne, je suis très touchée par votre gentillesse, votre générosité, votre bienveillance et votre soutien pour le procès. Alors,
On a envoyé 26, à 26 firmes notre assignation. On a attendu du 14 mai 2015 jusqu'à février 2016. On a eu la réponse et 19 firmes productrices de l'agent orange se sont constituées auprès du tribunal de grande instance de Vry, avec chaque firme 2 avocats. Donc nous avons aujourd'hui 38 avocats face à nos 3 avocats. Et 38 avocats payés par des géants richissimes. Et les 3 avocats, les 36 avocats qui travaillaient avec seulement leur conscience, leur âme, leur volonté. Alors, à partir d'avril 2016 jusqu'à le 16 décembre 2016, on a perdu presque une année, rien pour que pour les audiences de mise en état. Et la partie adverse me réclame des choses irraisonnables, comme quoi je dois leur montrer le contrat de travail entre moi et l'agence de presse de la Libération. Comment on peut avoir un contrat de travail pendant la guerre? Ou bien je dois présenter la fiche de paie. Moi, si je tarde à leur présenter ça, je dois leur payer à chaque firme 200 euros par jour. Quelque chose toujours comme ça pendant presque un an. Et finalement, à la 7e audience, le 16 décembre 2016, la juge a tranché et a demandé de terminer la procédure et de présenter des conclusions. Alors, certains, dont Monsanto, qui est en premier à la liste, et noté que Monsanto n'a... Je ne sais pas si Monsanto a répondu au procès de Jean-Louis, mais là, pour la première fois, Monsanto s'est présenté depuis 7 autres firmes. Et puis, et quand je suis au courant de la liste, cette nuit-là, je ne pouvais pas dormir. Parce que c'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que c'est vrai que le combat sera très dur avec ces géants en face de moi. Et on comparait toujours que là, c'est le combat des géants contre la petite David qui est des Goliaths qu'on a vu en face de. Et là, David, pauvre, vieille, je suis quand même forte avec vous. Vous êtes là, j'aurais voulu poser une question. Quelle est l'attitude, le rôle des autorités vietnamiennes? Oui, je vais vous répondre, ça aussi. Alors, tout d'abord, parce que ça n'a rien à voir avec le Vietnam. Même si le Vietnam s'engage dans ce procès, on serait pris parce qu'il faut que le Vietnam reste invisible. N'empêche qu'on a besoin aussi de leur soutien. Mais tout d'abord, ils m'ont traité de traître parce que j'ai pris ma nationalité française. En même temps que, en fait, j'ai les deux nationalités. Mais il y a des gens qui ne sont pas contents. Et ils ne sont pas contents parce que j'ai la nationalité française. Mais ils n'avaient même pas pensé que cela sert maintenant pour non seulement pour moi, mais pour les autres victimes de la médecine. Et c'était assez dur pour me convaincre. Mais finalement, maintenant, ils sont de notre côté. Et récemment, rien que chaque sortant d'une province lointaine avec des Khmers. Alors là, on a rassemblé plus de 40 000 signatures en soutien de Mme Fontaine. Et il y a des gens qui ne savent pas écrire et ils ont laissé leur empreinte. Ou bien ils ont donné leur participation en disant que voilà, je lui donne une tasse de café, je lui donne un bol de feuille. Ils n'ont pas d'argent, mais simplement, tout simplement, ils me reviennent en aide sans me connaître aussi. Et ils ne savent pas que je suis de leur pays. Je suis là. Voilà.
Donc maintenant, j'ai aussi le soutien du Vietnam, bien sûr, le gouvernement évite d'en parler. Mais c'est la Vava qui en parle, qui me soutient. Et on est à ce stade où la partie adverse dépose la conclusion, c'est-à-dire que les plaidories commencent, c'est-à-dire que le vrai combat commence. Et à travers leur conclusion, qui m'a quand même fait un peu mal parce qu'elle ne m'épargne pas du tout, là je vois que ça va durer, ça va être très dur et j'aurai toujours besoin de votre soutien. Pas aujourd'hui, mais même après, tant que le procès continue, ne me lâchez pas, s'il vous plaît. Si vous avez des questions. Pendant quelles années ça a été répandu, ces produits? C'est quoi les années? De 1967 jusqu'à 71. Ils se sont concentrés dans des années-là. N'empêche que ça a commencé un peu avant et un peu après. Mais c'est la concentration des épandages, c'est de 67 jusqu'à 71. Oui, moi je voulais vous demander, aux États-Unis, les vétérans, ils ont été, on leur a donné de l'argent pour qu'ils se taisent, mais les enfants des vétérans, juridiquement, ils n'ont pas le droit de se plaindre, parce que la plupart doivent avoir des séquelles aussi. Alors. Ils ont des séquelles terribles aussi. Par exemple, quand j'ai rencontré la fille d'un commandant, elle n'avait pas de bras, de mains, pas de jambes. Et elle était très très malheureuse, elle souffre beaucoup. Et elle me demande, mais pourquoi? Mais j'ai retrouvé mon calme quand je suis près de toi. Mais pourquoi je ne sens pas de haine dans toi là? Alors que moi, je suis en colère. Alors, mais je l'aime beaucoup. Je dis, mais c'est pas la peine d'avoir la haine, c'est d'avoir le courage de combattre contre les méchancetés, contre le crime. Oui, mais il ne faut pas garder la haine parce que ça nous détruit en nous-mêmes. Oui, mais et là, j'ai découvert aussi que quand j'étais aux États-Unis en novembre dernier, j'ai découvert que même avec les anciens combattants, anciens combattants américains victimes de la Vietcong et leur famille, on peut aussi s'unir pour être plus fort. Et c'est pour ça que maintenant aux États-Unis il y a des associations qui travaillent pour réveiller la conscience et réveiller les sentiments des victimes de la Vietcong américaine pour dire que là leur malheur c'est à cause de ça. Et il faut se battre, il faut quand même ouvrir les grands yeux et ne pas laisser passer ce crime-là. Maintenant, là, aux États-Unis, il y a aussi de ces activités. Pourquoi c'est venu si tard, bon, la prise de conscience, vous l'aviez, mais attaquer maintenant, bon, il y a 5, 6 ans, 7 ans, vous avez dit que vous avez commencé. Pourquoi maintenant c'est lié aux OGM, c'est lié à plein de choses Non, malheureusement. Moi qui étais chimiste, mais quand j'ai reçu pour la première fois les défoliants, parce que là, j'étais naïvement, quand j'ai entendu l'avion nous encercler, curieuse de nature, j'étais sortie de mon abri, parce qu'on vivait dans des abris souterrains, et je regardais. Et j'ai vu l'avion s'envoler en laissant un nuage derrière lui. Et ce nuage descendait rapidement et m'enveloppait aussi d'une liquide assez gluante. Je suffoquais. Je savais, en tant que journaliste, je savais que ça, ce sont des défoliants. Mais jamais je pensais que ça peut nuire à l'humain. Et puis après, j'ai mis au monde
Et puis après, j'ai encore plusieurs fois, je me suis trempée dans des marécages pleins de ce poison. Et puis je faisais même pas attention. Après, j'ai mis au monde ma fille, j'ai perdu ma fille, j'ai plein de problèmes de santé. Jamais je pensais que c'était des séquelles de la dioxine. Même jusqu'en 2008, vous vous rendez compte, jamais je pensais que nous sommes victimes aussi de ce poison-là. Donc, comme tout à l'heure, je vous ai raconté, c'était seulement en 2008, en visitant les autres familles, que je pensais à moi-même. Alors, je suis un peu idiote, mais c'était ça. Et toutes les autres victimes aussi du Vietnam, personne ne pensait qu'en recevant cette poussière-là, on est contaminé. Personne. C'est seulement après, bien après la guerre, que les chercheurs nous parlaient de ce poison et on commençait à comprendre. Parce que là, pendant les premières années après la guerre, les soldats revenaient dans leur village, se mariaient, fondaient leur famille, donnaient au monde des monstres. Des êtres non pas humains et ils sont repoussés par tous les villageois parce qu'on pense qu'ils ont fait du mal dans leur vie intérieure. Moi-même, quand j'étais journaliste à l'agence de presse, ma première enfant née, elle est tellement jolie. Mais 3 jours après, sa peau devient jaune et s'en va, quoi. Et elle ne grandissait plus. Elle était très fragile. Et on me dit que c'est peut-être moi la fautive parce que j'ai fait des choses des mauvaises dans ma vie antérieure. Et puis le résultat, c'est que ma fille supporte ça. Vous voyez? Donc, c'était très dur. Question ou pas? Non? Oui? On va peut-être pouvoir applaudir. On remercie Nia et puis l'applaudir.